Coucou, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Donc, ce soir, on coach Michael Rock. Normalement, il a lancé un raid sur la chaîne. Cool, et ben bienvenue. Alors, je t'entends pas encore sur le salon Discord, est-ce que c'est normal? Et là, tu m'entends? Là, je t'entends. Et du coup, est-ce que vous l'entendez? Alors, bonsoir, Mickaël. Non. Alors, on va commencer avec les problèmes techniques. Donc le son Du de la bureau. source du bureau. Ok. Là, normalement, je suis au même niveau que le micro. Non, le Discord, c'est pour les privilégiés. C'est juste pour Mickaël, pour c'est plus facile pour le coaching. Je crois avoir entendu un tout petit son. C'est bon, vous entendez? Eh ben super, alors on va pouvoir y aller. Donc c'est sur le document que tu m'as envoyé pour te répondre, c'est l'heure où s'écrasent les abeilles. Donc je vais mettre le document. Yeah. Je me mets à la page aussi. Oui, ah bah attends, j'ai oublié de t'envoyer le lien comme une gourde. Bah je te le mets sur le Discord. Ce sera plus facile. Alors, donc bah là, ça va être typiquement les coachings qu'on peut faire sur Rocambole. Puisque Michael est un auteur Rocambole, d'ailleurs. Vous pouvez lire deux séries à lui sur l'appli. Il y a 12 et Mortal Derby X. Yeah, j'ai juste pas accès au doc, il faut Ah, il faut que je j'ai un t'autorise. accès. Ouais. Alors normalement, quand on me demande l'autorisation, ça me rouvre le document une deuxième fois et je peux autoriser. Mais attends. Si Et ben voilà, c'est fait. c'est fait, ça m'ouvre rien. Ah bah Je vais voilà, demander c'est bon. Ouais. Alors attends. Voilà, ça me le rouvre une deuxième fois. Voilà, c'est en train. Et donc, bah voilà, comme c'est un auteur confirmé, on peut dire que j'ai pas trouvé des masses de trucs à redire, hein. J'ai quand même trouvé des petits trucs. Il y a sûrement des choses à, il y a sûrement des choses à dire. Alors, il y a des choses où c'est ce que je fais souvent quand j'annote les documents pour les coachings. Bon, déjà, quand je kiffe, je le dis aussi, genre, oh, j'adore ce passage. Et parfois, je pose aussi des questions pour être sûr de bien comprendre ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire. Donc, il y a des fois où ce sera plus des questions que des vraies remarques, suggestions. Ah, peut-être un peu plus fort la voix de Michael Rock si c'est possible. Alors je vais voir si je peux monter. Je crois que je suis au max là pour le son du bureau. C'est plutôt moi qui va pousser un peu plus. Tout ton micro. Alors du coup, la petite différence avec les autres coachings que j'avais fait sur les précédents lives, c'est que là, j'ai fait une première lecture en amont
parce que j'ai constaté les fois précédentes que, en fait, si je prépare pas un minimum, bah, on n'avance pas. Et comme là, le document fait quand même 9 pages, je voulais qu'on se laisse la chance d'arriver au bout. Ces deux séries sont trop bien d'ailleurs. Alors, j'ai pas encore lu, comme j'ai déjà dit sur Twitter, mais bon, tout le monde ne sait pas ce que je dis sur Twitter. J'ai lu le premier épisode de 12 il y a quelque temps et j'avais trouvé effectivement que c'était très bien, avec une écriture très nerveuse, très. J'avais bien aimé, très punch. J'avais Oui, eu merci. une petite larme, l'émotion passait bien, enfin on ressentait bien sa détresse, sa colère, tout ça, c'était bien. Donc du coup, j'ai hâte de lire la suite. Ça a été retravaillé longtemps. Et c'est un de mes défauts aussi de pas mettre trop d'émotions dans mes personnages, d'avoir un traitement assez clinique, assez scénaristique des personnages et pas assez dans l'émotion. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais travailler ensuite. Ouais, bah écoute, là j'ai trouvé que, enfin en tout cas moi j'ai ressenti des choses. Après c'est peut-être mon regard de mère parce qu'il y a un rapport de, il y a une relation père-fils dans cette histoire. Donc c'est peut-être ma sensibilité maternelle qui fait que je peux ressentir ce que le père ressent sans que t'aies besoin de me l'expliquer vraiment. Mais en tout cas là j'ai ressenti des choses. Est-ce que tu veux pitcher peut-être le texte pour ceux qui nous suivent? Bah si tu veux, sinon comme c'est ton texte, tu peux le faire. Non, bah je vais le faire. La Le mec qui fille qui... délègue tout le boulot. Ouais, voilà, puis Ouais, la fille qui veut pas je vais parler travailler moi. non plus. Donc bah tu y vas du coup? Vas-y. Ouais, j'y vais. Donc, l'heure où s'écrasent les abeilles, c'est donc un texte. Comment dire, de science-fiction caribéenne, post-apocalyptique, où l'on découvre en fait une petite communauté qui vit dans un abri, l'abri 5, et qui est, comment dire, un peu harcelée par l'invasion de drones qu'ils appellent les abeilles. Et qui vient, comment dire, les buter un par un, en fait, du plus vieux au C'est plus ça, jeune. on peut dire les Et buter. a priori, ben, notre héros qu'on découvre au tout début, enfin notre héros, c'est pas vraiment le héros, mais Tibère voit son heure venir et donc décide de fuir. Voilà. Est-ce que c'est bien résumé? C'est bien résumé. C'est bien, faut pas tout dire non plus. Donc tu dis Ptibère, parce que oui, alors il y a quand même pas mal de mots créoles. Ouais, alors Donc pour les dans l'an. indices, à chaque fois qu'une voyelle est en fin de mot et qu'elle a un accent grave, Tu dis le R. l'accent grave, en fait, c'est le R, Ce que je viens d'entendre, ouais. pas Après. muet, mais il n'est pas non plus prononcé. Ouais, Donc d'accord. c'est Tibère. C'est le petit Robert, en fait. Ouais, Tibère. d'accord. Ah oui, d'accord. Bah si à un moment je prononce mal, tu m'en voudras pas. Non, je m'en voudrais pas et puis je te dirai, y a pas Ouais, de souci. voilà. Bah, du coup, ça gêne pas la lecture. Enfin, moi, ça me fait buter parce que c'est un mot que je découvre. Mais après, dans le contexte, on arrive à remettre. Puis il y a des mots qui ressemblent. Bon, par contre, 5, tu vois, la façon dont c'est écrit, j'avais pas fait le rapport. J'avais pas fait le rapprochement, mais il y a des choses qu'on déduit facilement. Donc ça va, ça gêne pas la compréhension. Tu vas te coucher. Excusez-moi, j'ai le fiston qui se relève et. Mais bonjour, bonsoir au fiston. Ça Voilà, veut dire mais. va te coucher, il est pas Voilà, minuit va te là. coucher. Non, mais avant que je me fâche, vas-y vraiment, parce que je peux couper le Bah, micro et me Julie, fâcher. va me coucher. Oui, bah va lire. Voilà. Vous voyez comment il me parle, il n'a pas encore. Il a tout juste 6 ans. Super. Je vous dis pas à Allez. 15. Bon, on va peut-être démarrer. Ouais. Je suis tout ouïe. Alors, une seconde, parce que là, il me fait grincer la porte. Elliot, je vais me fâcher. Oui.
Alors, l'heure où s'écrasent les abeilles. S'il espérait un signe des lois depuis bien longtemps, il ne s'attendait pas à celui-ci. Du bout de sa crosse de fer, Tibère rabattit sur le visage pétrifié la capuche de Man Lucette. Le corps de la dernière moune de l'abri 5, donc on dit 5 du coup, pas 5, fumait C'est encore. 5 et c'est Man Lucette. Man Lucette, ah, c'est ça. Oui, Les, c'est quand vraiment c'est Lucette. tous les. Il y a plusieurs ans qui font office de 1, je crois. Donc c'est plutôt yans abeilles ou la lans abeilles? Oui, c'est ça. AN, ça se prononce C'est en, an et d'accord. EN, ça se prononce un. D'accord. C'est exactement ça. Donc, Man Lucette. Le corps de la dernière moune de l'abri 5 fumait encore. Elle était arrivée bien loin de sa ravine, à plus d'une journée de marche. Tibère aurait voulu que son fils ne soit pas présent, mais sur l'étendue de la butte brune, il n'y avait rien pour masquer le cadavre de la vue de l'enfant. Tiens, j'ai pas noté, mais là, alors je passe en mode de suggestion. Peut-être j'aurais dit à moi. Je crois que je me suis posé la question à la première lecture. Le masquer à la vue plutôt que le masquer de la vue. Enfin bon, là on est déjà dans le pinaillage. Le père chercha ses mots, il ne les trouva pas tout de suite. Un goût de terre lui écrasait la langue, il secoua le barda qu'il traînait sur son dos. Raccourcit une sangle, puis se racla la gorge. Il va falloir se cacher. Baptiste s'était planqué dans les longues rades de Tibère. Donc là, j'ai rade, j'ai pas trouvé. Rade, ça veut dire un vêtement. D'accord. Parce que du coup, je me On suis a le trouvé. même mot en français, je crois. Ah, bah, je l'ai pas trouvé. Je me suis trouvé un petit dictionnaire en ligne français-créole, créole-français. D'accord, barade, tu vois, je connaissais pas. Il s'accrochait avec peur et triste curiosité aux pales d'éoliennes que lui et son père avaient déterrées plus tôt dans la journée et que l'adulte portait dans son dos. Baptiste ne prononça pas un mot, il reconnaissait la femme qui, au début de chaque saison, lui apportait une galette de manioc. Tu vois, j'ai toujours rien trouvé à ce niveau-là. Tibère scruta ensuite les nuages d'une manière furtive et inquiète. Il cherchait une tache, un mouvement qui se détacherait. Donc moi, je t'ai mis ombre. Comme je t'ai mis dans le commentaire, j'ai mis remplacer tache par ombre, à moins que la répétition avec détacherait soit voulue. Mais sinon, on a tache-tache. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ombre, c'est bien. Il cherchait une ombre, un mouvement qui se détacherait du lointain, qui reviendrait pour lui ou pour son fils. Il espérait un autre signe, mais l'ange abeille avait disparu. À mi-voix, Baptiste demanda pourquoi l'engin s'en était pris à Man Lucette. Tibère s'accroupit, il resserra les ficelles du pantalon de son fils pour qu'il puisse courir. Man Lucette avait le même âge que moi, elle était née une saison plus tôt. Si les abeilles l'ont brûlée, Tibère n'eut pas besoin de finir sa phrase, le petit maîtrisa ses larmes, mais il avait compris. La zone qu'il arpentait maintenant depuis 3 saisons à la recherche de cimetières d'éoliennes n'était plus en sécurité. Il fallait désormais de nouveau. Voilà, donc là je t'ai mis, je supprimerai un des deux pour alléger la phrase parce que désormais de nouveau, ça fait un petit peu redondant, un peu lourd. Ok, ouais, J'avais j'ai raison. suggéré désormais repartir, mais après, de nouveau partir. C'était si tu voulais garder l'idée de nouveau, on pouvait supprimer de nouveau et puis mettre repartir pour montrer que c'est pas la première fois qu'ils partent. Mais virer le désormais, c'est bien aussi. Parce que là, on a compris l'urgence en fait. Donc il fallait de nouveau partir plus loin, fuir les nouveaux périmètres que les abeilles survolaient là-haut derrière les nuages. Tibère passa la bandoulière de la crosse derrière son épaule, cette dernière tinta métal contre métal sur les pales en partie désossées. Le ciel tournait gris, aucun vrombissement n'était perceptible. Le vent masquait peut-être son bruit, mais l'anse abeille reviendrait, Tibère en était sûr.
Il prit la main de son fils, la serra plus fort qu'à l'ordinaire et masqua ainsi les faiblesses de son cœur de père. Plus que se cacher, il fallait fuir. Baptiste ne se plaignit pas de la poigne. Il ravala son inquiétude et allongea son pas. La butte descendait en longue dune d'algues mortes vers les mangroves roses cernées de palétuviers. Il devait vite rejoindre la mer. N'oublie rien, lui dit-il en l'entraînant. N'oublie rien de ce que tu viens de voir, mais ne laisse pas non plus ce souvenir te marquer de fer rouge. Derrière sa barbe, ses locks et ses vieilles rades, malgré le poids de son barda, Tibère hâta leur allure. Leurs souffles s'alignèrent dans la course, le commun est leur force, leur transe et l'énergie qui les guide sur les chemins que les lois tracent dans l'invisible. Donc là, je t'ai mis pourquoi ce passage est au présent. Sûrement parce que c'est un ajout. Donc ouais, il va falloir que je le revoie. D'accord, je me Je le demandais si revois, c'était je crois voulu que ou pas, mais je du vais coup, l'activer. ouais, je pense que ce sera mieux juste aux mises au passé. J'avais pas osé modifier parce que je voulais d'abord ton avis. Alors, j'arrive dans 1 minute. Ouais, ça marche aussi, donc c'est cool. Non, franchement, c'est très cool. Au passé aussi, c'est cool. J'arrive, hein, j'en ai pour 1 seconde, j'ai le gamin qui choisit bien son moment. Je vais en profiter pour corriger, accepter les modifications. Voilà, bon, désolé. Hein. J'ai pas coupé ton micro. Ah mince! Si j'avais coupé le micro, mais alors j'ai pas. Du coup, ça passe aussi par sûrement le. Bon, bah voilà, vous m'avez entendu au meilleur de moi-même. C'était cool. Ah ben non, c'est. Oui, c'est juste toi qui as entendu ça, va. Donc, ouais, donc c'est bon, au passé, tu trouves. Ça me semble plus cohérent. Alors, leur transe était Ouais, l'énergie c'est un peu ça. qui les guidait sur les chemins que les lois traçaient dans l'invisible. Un instant, ils eurent la vision du feu le soir dans la bricatte. Ils cherchèrent dans l'esprit loi les restes des contes que le vieux Aubé trimballait. De terre en terre, de zone en zone. Les abeilles ne voient pas tout. Les abeilles n'entendent rien, les abeilles sentent ce que toi, Timamei, tu ne peux pas sentir. Le vieil homme n'est Timamai. Timamei, pardon. Le vieil homme n'était jamais repassé par leur abri. Peut-être avait-il fini lui aussi brûlé par la foudre dans abeilles. Tibei crut voir une déchirure dans le coton du ciel. Voilà, t'avais une petite coquille. T'as oublié un petit T Aïe là. aïe aïe, mon Dieu. Il poussa son fils au sol et s'allongea sur lui. Les pales dépenaillées glissèrent à leur côté. Ils se planquèrent dessous. À moitié recouverts, ils observèrent les nuages. Tibé murmura une prière, puis s'adressa à son fils. Souviens-toi toujours de ça aussi. On déterre le métal car il nous cache de leurs yeux. Plus il est vieux, plus tu es caché. Les cimetières de pales sont bien pour ça. Il y en a peu. Donc là, ouais, j'ai pas compris. Il y a peu de quoi? De cimetières?
De pâle. Oui, il y a peu de cimetières, oui. Alors, peut-être un mais, il y en a peu. Pour qu'on sente le contraste, Ouais. parce qu'avec son bien derrière, on sent pas le. Et on part là-dessus, c'est cool. Bon, si ça te va, ça me va. Alors, les trois ailes métalliques ne leur apportaient qu'une faible protection. Pieds, épaules, cheveux dépassés, mais l'angoisse d'une maigre cachette valait mieux que la panique des fuites à toutes jambes. Au bout d'un long moment voilà, c'est pareil, t'avais dû modifier et t'avais laissé un 2 traîner. Au bout d'un long moment d'étouffement, Tibère conclut que l'anse-abeille ne réapparaîtrait pas. Il reprit le barda, tira Baptiste par le bras. Ils dévalèrent le terrain jusqu'aux premières eaux. Des algues sèches pendaient des branches dénudées par le sel. Sous la canopée squelettique, ils bénéficieraient d'un peu plus de temps. Tibère s'arrêta lorsque l'eau souillée lui parvint à la taille. Baptiste nageait presque entre la mousse rose et des éléments plastiques non identifiables. Il comprit un peu tard que son père allait utiliser le dévouéière. C'est ça. Le dévoyer. Dévouéière. Ouais. C'est un. Voyer, ça veut dire. Voyer, ça veut dire envoyer. D'accord. Donc c'est un désenvoyeur. Des envoyeurs, En d'accord. poème. Ah, ils t'entendent pas assez. J'ai encore rapproché le micro de. Alors c'est peut-être mon Discord, je vais aller checker dans le Discord. Ouais. Bah, je te laisse faire ton réglage. Ah, j'ai aussi le volume d'entrée à fond, donc logiquement, est-ce que sur le micro lui-même... Bah en tout cas, moi je t'entends super bien. Et là, comme ça a l'air de taper un peu plus. Ça devrait être Ça va cool, mieux, je vois là, je quelqu'un pense. dit ça va mieux. Bon bah cool. Parce que bon, l'idée c'est quand même que vous puissiez aussi entendre les interactions, sinon ça vous apporte pas. Alors. J'en étais où? Ah oui, le désenvoyeur. Il attrapa une sangle de tissu pour se hisser contre lui et l'observa faire, intrigué et peu rassuré. Baptiste renifla. Donc là, je t'ai mis. Ici, on pourrait avoir un point après faire ou après intrigué et supprimer le point avant Baptiste. Et du coup, remplacer Baptiste par il parce que normalement, comme on parle de Baptiste pendant tout le paragraphe. Ça gênerait pas. Et je sais pas, c'est l'observe à faire qui m'avait. Ouais, je trouvais que c'était il y avait beaucoup de choses à la suite et je trouvais que ça pourrait être bien de couper. Ouais, il y a un peu beaucoup d'éléments. Ouais, je vais. Enfin, de Ouais, je vais couper faire à ça. un autre endroit, ouais. Et puis comme ça nous donne la raison de son reniflement. Ça me semble Une plus des fit raisons, ouais, comme. parce qu'en fait, il a juste Oui, froid, quoi, ouais, bah généralement. oui, s'il vient d'en plus de nager. Mais ouais, ça me semble plus fit comme ça. Il attrape une sangle de tissu pour se hisser contre lui et l'observe à faire. Intrigué et peu rassuré, Baptiste renifla. Donc là, on peut mettre il, mais on peut aussi laisser Baptiste comme tu veux. Ah bah tiens, je suis en train de réfléchir parce que plus bas, je t'ai mis quand il y avait des petits changements de point de vue. Alors comme j'ai mis plus bas, c'est pas gênant parce qu'en général, c'est vraiment pour tout un paragraphe. Donc le changement est net, ça intervient pas en cours de paragraphe. Mais du coup, là, t'en as un petit aussi, on passe sur le point de vue plutôt de Baptiste. Alors.
Tibère avait tiré d'une poche de son parvant un étui de cuir rouge. À l'intérieur de celui-ci, un nanojecteur attendait depuis trop longtemps qu'on l'utilise. Il était pré-réglé, il contenait 2 doses et ne devait servir qu'en dernier recours dans l'eau salée. Tu ne sentiras rien. Ça marche vraiment? Ça fait quoi? Oui, ça fonctionne. Un vrombissement vrilla au-dessus des arbres. Ils se tétanisèrent. Arrête de respirer, souffla Tibère. Le père s'accroupit dans les vagues de déchets, portant les pales au-dessus de leur tête, le menton au plus près de la surface. Je vois que tu changes des trucs en route. Je regarde ce que tu fais en Ouais, autre. je j'ai punché un peu plus la réplique du père. Oui, c'est un peu plus sec comme ça. Ça marche vraiment, ça fait quoi? Ça fonctionne. Ouais, c'est C'est plus sec, ouais. une réponse qui va pour les deux questions. Ouais. J'aime bien. Oui. Et puis ça fait plus, on sent plus la tension. Ouais. Il répond plus sèchement, plus. On sent que c'est sans appel derrière, quoi. Le père s'accroupit dans les vagues de déchets, portant les. Ah bah ça, j'ai déjà lu. Les pales au-dessus de leur tête, le menton au plus près de la surface. Leurs abeilles firent un deuxième survol, mais les vapeurs de leur corps devaient s'être éparpillées. Ici, au-dessus des mangroves, la bise marine était de leur côté. L'instant d'après, ils n'entendaient plus que le clapotis des vagues entre les racines rongées des palétuviers. Tibère se remit d'aplomb. Il tourna la bague en acier du nanojecteur entre ses doigts. 5 cliquetis qui ne plurent pas à l'enfant. On aurait dit le mauvais chant des grenouilles de mort, celles qu'il fallait tenir à l'écart de la couche la nuit dans l'abri, de peur qu'elles vous endorment pour de bon. La main de Tibère trembla, l'aiguille était sortie. Il coinça le tube de titane entre ses dents et entreprit de relever la manche de Bâtisse. Donc là, on arrive dans un passage, moi, qui m'a fait de l'effet. Hein. Oh, Bah oui, oui, parce que. Bah forcément. oui. Alors bon, je sais pas quel âge il a le petit garçon de ton histoire, mais forcément on Il a projette. environ 10 ans. D'accord, donc il est un petit peu plus vieux que le mien, mais bon après on projette forcément. Donc moi, je pense que c'est pour ça aussi que 12, ça m'avait aussi fortement marqué sur le premier épisode, parce que forcément on projette toujours un peu, hein. Ouais. Alors, le fils eut un geste de recul lorsque la pointe du nanojecteur lui piqua le bras. Ses yeux dirent toute la peur qui le traversa et toute la confiance qu'il avait aussi en Tibère. Alors, là j'ai écrit, je trouve l'impact de la mise en parallèle plus percutant sans cette incise. La phrase est aussi plus équilibrée et je trouvais que c'était plus équilibré sans me l'expliquer. En fait, après j'ai compté les syllabes et on passait à 11-11. Si, oui, parfois j'aime, je compte les syllabes. Le rythme de la phrase est, si t'enlèves le aussi, je trouve que la phrase elle est plus. Ses yeux dirent toute la peur qui le traversa et toute la confiance qu'il avait en Tibère. Après, je sais pas si je l'explique forcément bien, mais. Tant que tu gardes les bons nombres de syllabes. Ouais, j'ai compté et ouais, on fait ça comme ça. Ben, Ça en tout cas, marche. moi je sais que parfois j'aime bien laisser le rythme de la phrase aussi choisir pour moi. Et là, du coup, j'aimais bien l'équilibre parce qu'on a un. C'est les notifications quand tu touches un truc sur le document. Ouais, du coup, on a une mise en parallèle. Hein. Dans ses yeux, on voit la peur et la confiance. Et du coup, le fait que ce soit équilibré et au niveau du rythme et enfin, au niveau de la structure de la phrase, je trouve ça bien. Ouais, c'est une bonne astuce de compter les syllabes. Je le fais pas souvent. Pas dans la prose. Alors. Ah bah tiens, là, ton accent, il est inversé. Oups. C'est pas grave. Alors, donc, le petit. Puis, il s'évanouit.
Tibère le garda tout contre lui, ses lèvres abîmées par les embruns tremblaient. Ah oui, donc là, je t'ai mis. Est-ce que c'est à cause du tremblement qu'elles sont abîmées? Je ne pense pas. C'est ce que supposerait l'incise. Si ça qualifie juste les lèvres sans importance spéciale, je pense qu'on peut supprimer l'incise. Parce que du coup, là, ça met en valeur abîmée par les embruns, alors que c'est plus le tremblement qui compte, j'imagine. Ouais. Alors effectivement, c'est juste pour qualifier les lèvres. C'est vrai que l'incise normalement doit mettre en valeur quelque chose. Et si on supprime juste la virgule. De toute façon, c'est toujours compliqué les virgules. Je trouve, parce qu'il y a des règles pour les virgules, mais en même temps, les règles sont plein les sont il y a plein d'exceptions et c'est aussi adaptable en fonction de l'intention de l'auteur, l'autrice. Donc souvent sur les virgules, je fais des suggestions, mais après je laisse l'auteur ou l'autrice se dépêtrer avec. Ouais, ça alourdit un petit peu, hein, c'est vrai. De toute façon, au pire, tu n'es pas obligé de te décider tout de suite, tu gardes le commentaire et puis. Sinon, tu peux mettre juste gercé. Si tu mets ses lèvres gercées, tremblées, comme ça on voit qu'elles sont abîmées, ou ses lèvres abîmées, tremblées. Continue. Ouais, continue, je réfléchis aussi en même temps. D'accord. Continue, continue. Il contempla son fils s'éteindre en quelques secondes. Les joues de Baptiste virèrent au bleu. L'injection faisait effet. Tibère le plongea dans l'eau sale. Alors, sous les restes flottants des vieilles sociétés, il sentit fondre le corps de son fils. D'abord se morceler comme un fouillapin dans l'eau bouillante des Canaries. C'est ça. Puis se dissoudre en une poudre de cendre qui tinta les vagues d'un abysse précieux. Tibère ferma les yeux, il manqua d'arracher ses molaires sur l'injecteur. Sa respiration se fit plus courte, son. Donc là, j'explicite ce que tu viens de changer. En fait, moi, j'avais suggéré de supprimer poudre parce que la cendre, c'est déjà, ça implique déjà que c'est Ouais, de la ouais. poudre. Du coup, c'était pas C'est une nécessaire. erreur qu'on fait souvent. Effectivement, la poudre étant déjà, enfin la cendre étant déjà de la poudre, inutile de rajouter poudre de cendre. Voilà. C'est un pléonasme. Il m'arrive d'être pertinente. Alors, il manqua d'arracher ses molaires sur l'injecteur. Sa respiration se fit plus courte. Son cœur allait exploser. Il ne s'était jamais habitué à cette sensation de la mort, à même ses bras. Il ne s'y habituerait jamais. Donc là, je t'ai mis en commentaire. Mes yeux piquent un peu sur ce passage. J'aime bien aussi dire en fait ce que je ressens au fil du texte. Ça peut permettre à l'auteur ou à l'autrice du texte de savoir si ça fait bien passer ce que lui ou elle voulait, savoir ce que ça provoque chez les lecteurs, lectrices. Donc voilà, là ça m'a émouvé. Eh ben tant mieux, c'était le but recherché. Et ben voilà, t'as gagné, tu m'as presque fait chialer. L'anse-abeille apparut à l'orée de la mangrove dans un grondement affamé. Tibère l'en vit au moment où Yel entra sous les arbres. Yel darda son arme. Tibère plongea sous la surface avec une grimace d'horreur. Il s'injecta la dose de nanobête dans la main, sangla son corps à une racine la plus épaisse qui dépassait du fond vaseux. Ah oui, tiens là, j'ai zappé un truc.
J'ai zappé des commentaires qui étaient dans le commentaire en fait sur le paragraphe précédent. Comme je sais pas ce que c'est fouille à pain, je t'ai mis du coup la comparaison m'échappe. Alors un fouillis à pain, c'est un fruit à pain. Comment dire, un fruit ou un légume qui pousse dans les arbres ici aux Antilles D'accord. et que l'on découpe en morceaux, que l'on fait bouillir dans des canaries. Les canaries, ce sont des casseroles. D'accord. Parce que Canary, ça Et revient en plus plusieurs fois, donc comme ça. ouais. Et quand on le, oui, parce que du coup j'ai, comme je sais que qu'il y a d'autres lecteurs ou lectrices comme toi qui ne sauront pas ce qu'est un fouillis à pain, ce qu'est un canari. Je l'ai revu plusieurs fois pour essayer de le contextualiser un peu plus. Ouais. Donc là, il est en comparaison, dans Ouais. une comparaison. Un peu plus loin, il est un peu plus sujet de l'environnement qui est décrit. On décrit un espace où il y a un feu, sur lequel il y a des canaris et dans lequel il y a des fouillis à pain. Donc on comprend que c'est la nourriture de ces gens-là. Enfin, j'espère Oui, qu'on ça, comprend. oui, c'est ça, c'est quand ils sont dans l'abri là et qu'ils se réveillent et au moment où il est rassuré, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, donc là oui, on Et comprend que donc, c'est de la nourriture. ouais. Mais comme je suis pas revenu après, je pense, enfin, j'ai pas fait le rapprochement et du coup, mais du coup maintenant, oui, je comprends la comparaison. Et sinon, je t'avais mis là, c'est très poétique, mais je visualise pas bien. La bise évoque plutôt les fonds marins et j'aurais imaginé qu'il se dissout à la surface. Ouais, il se dissout et il teinte les vagues de noir de cendre. Donc du coup, c'est un abysse. Tu vois l'image de l'abysse Ouais, quand les vagues deviennent noires. C'est ça. d'accord. Parce que là, l'eau est rose Ah oui, à base. ouais. Voilà, c'était ça l'idée. D'accord. Peut-être que du coup, même si c'est poétique, elle est pas assez. C'est pas assez explicite ou en trop. Bah je sais pas, parce que des fois une petite phrase poétique et pas tout à fait explicite, c'est bien aussi, hein. On n'est pas obligé de toujours tout comprendre enfin, tu vois, au mot près. Des fois, on peut juste se Ouais. laisser porter par le. Moi, je Et du trouvais que coup, c'était ce. joli. Après, tu peux garder le Ouais. commentaire pour y réfléchir. Du coup, Parce que. l'abysse devint précieux parce que cette couleur noire, ben, c'est son fils qui vient de Oui. se dissoudre entre ses mains. Ouais, Donc, bah ouais. c'était juste Ouais, bah c'est pour ça que j'ai failli chialer. ça. Alors, on en était à. Il venait de s'attacher à une racine. Le froid le gagna, ses muscles se paralysèrent un à un. Il ne compta pas 2 secondes avant de ne plus sentir la pression de l'eau contre ses joues et ses poumons. Il n'entendit ni ne vit plus rien. Tibère s'éveilla dans la chaleur de l'abri. On avait tiré son corps du dôme d'eau coco par lequel il devait revenir. On l'avait dénudé, nettoyé et déplacé sur un lit d'osier. Bah là, on pourrait mettre île, mais c'est pas non plus gravissime. Tibère tira le linge qui couvrait son propre visage. Son cœur ne s'était pas calmé. Il chercha son fils Lapla d'une voix cassée, pas encore réchauffée. À sa gauche, le dôme était vide. Les autres membres de l'abri sommeillaient plus loin sur des nattes de joncs, dans la pénombre des bougies d'encens. Les pieds de Baptiste dépassaient de sa couverture ocre. Le père fut immédiatement rassuré. Il apprécia enfin la chaleur du feu, l'odeur du fouillis à pain cuit il n'y a pas si longtemps, le ronronnement rassurant des 6 autres mounes de leur petite nation. Là, je t'ai mis, il put enfin apprécier. Je suggérais parce que ça renforcerait l'idée de soulagement. Ouais, ok. Le côté où avant il peut pas se détendre, même si lui il voit qu'il est en sécurité, tant qu'il n'a pas vu son fils, il est juste incapable d'apprécier tout ce qui est autour de lui et qui se voudrait rassurant.
Alors, parmi eux, Maya s'était redressée. Assise sur sa natte, elle le regardait avec ses grands yeux interrogateurs. En trois sauts de lapin, elle s'approcha pour lui parler. Donc là, je t'ai mis, j'adore la formule, mais comme dans mon esprit, je visualise un espace sombre et petit, une sorte de tente, j'imagine mal qu'elle se déplace en bondissant. Ouais, elle se déplace à quatre pattes rapidement, tu vois? Tu vois un Ouais. peu l'idée? Ah En oui. saut de grenouille, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Bon, après. J'ai pas trouvé la bonne formulation là pour ce petit passage. D'accord, donc du coup, je te laisse le commentaire. Ouais, je suis sûr que dans le chat, les gens vont pouvoir Ah. trouver aussi d'autres choses. C'est à vous là. On compte sur vous. Parce que. C'est comme quand on se déplace dans une tente, en fait. Ouais, donc c'est bien ça, c'est un peu, c'est un abri, un peu une tente, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le visualisais. Une sorte de C'est un tipi. abri qui est fait avec des plaques de métal. D'accord. C'est une espèce de dôme Une qui est cabane, un au-dessus de leur peu. tête, mais qui est trop petit pour 6 personnes. Ouais. Ah bah du coup, parce que plus bas, je t'ai mis, en fait, ils sont 6 en tout, et là, tu mets, du coup, je te le dis ici, le commentaire, tu mets le son rassurant des 6 autres moons. Et du coup, ce serait des 5 autres, s'ils sont 6 au total. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on se fait relire. La grenouille me parle mieux que le lapin. Ah, tu as un consensus sur la grenouille. Évidemment, évidemment. Non, Saut mais de on sait d'où ils puce. viennent, quoi. Ben oui. En 3 sauts de bébé Yoda. T'as un saut de puce aussi qui est proposé. La faute à bébé Yoda. Bah d'accord, ça c'est une private Ouais, ça vient joke. de. C'était un des textes qu'avait écrit une participante de l'atelier, où on avait un peu déliré sur la créature qu'elle essayait de décrire. D'accord. On s'était finalement dit que c'était un bébé Yoda qui bouffait des grenouilles. D'accord, Et sympa. du coup, c'est resté un petit peu en private joke parmi ceux qui fréquentent Ouais. l'atelier. Ouais. D'accord, donc ça revient régulièrement. C'est le running gag private joke. Alors, on reprend un peu de sérieux. Baptiste nous a dit pour Lanzabeille, tu as laissé combien de pales derrière? Toi, réparable, la zone est rayée maintenant, il faudra en trouver ailleurs. Maya fut contrariée. La voûte de leur refuge demandait qu'on en prenne soin. Le temps l'abîmait. C'est quelques. Alors là, je t'ai mis plaque, après peut-être que planche, c'était un choix conscient et volontaire. Mais planche, ça évoquait plutôt le bois. Après, comme tu précises de métal derrière, on comprend la forme. Du coup, pourquoi pas plaque? Tu as raison, tu as raison. Merci. J'aime avoir raison. Alors, ces quelques planches, non, du coup, ces quelques plaques de métal lui auraient fait du bien. On en trouverait ailleurs, bien sûr. Quand était la question? La jeune femme avait confiance en sa nation et en Tibère. Il trouverait d'autres cimetières d'éoliennes. Tibère s'éclaircit un peu plus la voie. Ce nano-voyage-là l'avait asséché plus que n'importe quel précédent. Il se faisait trop vieux. Je suis tombé sur Manlucette de l'Abri 5, le corps brûlé par Anzabeille. On avait le même âge, elle et moi. Avec l'aide de Maya, Tibère s'ébroua. Il alla prendre son fils dans ses bras sans le réveiller. La retapeuse respecta le silence. La nuit était. Ça, je l'avais recorrigé pourtant. Je vois plus le commentaire. Je t'avais mis que t'avais, ça m'était une, ça avait mis une tabulation entre ton A et ton U de au repos. La nuit était au repos, à la remise en état des corps et à la réparation des esprits.
Donc là, je t'ai rajouté un A, la réparation des esprits. Je t'ai mis pas obligatoire ni même nécessaire, mais comme on a au repos et à la remise en état. J'ai pas fini ma phrase, mais en fait, voilà, pour le. C'est Oui, accepté, tu as ok. bien très bien compris. Je ne cherche pas plus loin à m'exprimer si tu acceptes directement. Elle accola son front à ceux de ses frères de vie. Donc là, je te demande, Tibère et Baptiste, s'il dort le visage au même niveau que celui de son père, je l'imaginerais plutôt sur sa poitrine. Parce qu'en fait, là, pour moi, elle est en tête à tête avec Tibère pendant que les autres dorment. Et Ouais. il a le petit dans ses bras, donc je visualise pas bien comment ils peuvent avoir plusieurs fronts. Pour moi, ils sont deux. Je sais pas si tu vois ce que. Alors, Tibère a le petit dans ses bras, il le tient contre lui, sûrement la tête contre la tête de son fils, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que moi, je Et du l'imaginais coup, pour... plutôt le tenant contre sa poitrine, comme on berce un petit, en fait. Ouais, mais c'est pas un bébé quoi, Oui, le c'est pas gamin un bébé, ouais. il est assez grand quoi. Donc s'il le tient contre lui, je pense que ouais, je sais pas. Ok. Donc aussi Ou contre elle le. accola son front à celui de son frère de vie. Bah, pour moi, ça aurait été plus logique. En fait, je m'attendais au singulier parce que pour moi, ils sont tous les deux en train de discuter. Et comme même si c'est physiquement possible, en fait, comme il dort, le petit, qu'il n'est pas dans la conversation. Mais bon, why not, hein? Après, on sait qu'il est là, qu'il est dans ses bras, donc on comprend, hein. C'est juste moi, ça m'a Ouais. surprise, mais donc je te le dis. Après, voilà. Ça reste ton choix. Il faudrait préciser ça peut-être alors. Bah ouais, peut-être repréciser comment physiquement le petit est, ou je sais pas. Alors, je continue pendant. Je continue. Oh, bon, non, on va regarder ta modif. Ah, la pression. Ouais, l'idée, c'est d'aller, comment dire, décrire le un peu plus en détail l'action du père quand il va prendre son fils dans ses bras pour préciser que qu'il loge la tête de son fils dans son cou, par exemple. Ouais, qu'on visualise mieux la position. Non, vous nous avez perdu, ils nous ont perdu. Oui, et puis à un moment, on a arrêté de parler parce que je regardais Michael réfléchir. Non, des fois, on se tait quand même. Ouais, moi aussi de mon côté, là, j'ai le chat Ah. qui s'est mis à tourner dans le vide. Enfin, pas le chat, le stream. Ah. J'ai juste actué la page et puis c'est revenu. D'accord. Bah du coup, tu veux te le garder pour plus tard ou tu veux revenir dessus tout de suite? Bon, on va faire ça là maintenant en une phrase. Vas-y. Donc il alla prendre son fils dans les bras. Et qu'est-ce que j'ai dit? Logea sa tête. Ouais. Dans le creux de son cou. Et là, comme ça, on visualise un peu Oui, mieux la position du père par on voit rapport comment. au fils et comment Maya va venir accoler son front Aux deux en à même ceux temps, oui. de... Alors, ouais. Alors, c'est pas, du coup, c'est pas vraiment son front parce qu'elle va avoir les cheveux du gamin dans le Oui. nez.
et le front de Tibère sur le sien. Donc ça va peut-être plutôt être sa tête. Bah surtout que le front, tu le remets plus bas en fait, donc enfin ils Ouais, refont ça à un moment plus loin, donc mais là oui, ça me semble du coup, en étant un tout petit peu plus vague, un peu plus précis sur la position et un petit peu plus vague sur la partie du corps de Maya, du coup on peut mieux s'imaginer. Alors yes, ça marche. cool. Ils échangèrent cette vibration qu'ils connaissaient bien, puisqu'elle bordait chaque soir les habitants de la Bricate. Ils vieilliraient ensemble comme leurs ancêtres avant eux et sous la protection des lois. Quel âge as-tu, toi, Maya? Chuchota Tibère. Maya regagna sa couche en glissant sur ses. Ah, ah oui, alors là, t'avais mis. Moi, j'ai du mal lire. J'avais compris en se glissant sous ses couvertures, du coup je t'avais rajouté verbe et en glissant sur ses coutures, tu voulais peut-être dire quelque chose. Je t'ai mis d'ailleurs, c'est peut-être Oui, c'est normal, ça. remarque. Ben, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est elle glisse sur les coutures des couvertures. D'accord. Bon bah du Elle coup se glisse pas sous les Oui. couvertures, elle glisse sur les coutures des nattes, en fait. Ouais, d'accord. Du coup, je peux virer mon commentaire. Des fois, je préfère mettre dans le doute, même si après, j'ai l'air bête, tant pis. À peu près 12 saisons de moins que toi, m'a-t-on dit. Qui ça? Donc là, je t'ai mis sur ce paragraphe, mais j'ai repéré aussi d'autres avant, finalement, à la deuxième lecture. C'est pour ça que j'en fais en général 4 au total, sur un coaching, un vrai coaching. J'ai été mis ici, on a un petit changement de point de vue, ça ne me choque pas, mais Katrina m'a appris à y faire attention. Qu'en fait, depuis le début, on est sur le point de vue de Tibère. Et là, du coup, on passe sur le point de vue de Maya. Ouais, alors là, du coup, c'est quelque chose que j'ai cherché à travailler justement sur dans le texte. Parce que Tibère n'est pas, même si c'est le premier personnage qui apparaît, ce n'est pas le personnage principal. Ouais. Le personnage principal, c'est le groupe. Ouais. Et c'est quelque chose Donc que on je a vais tous essayer les de points de vue. travailler dans mes prochains textes aussi. Le collectif, ne pas avoir un héros, mais avoir Ouais. un collectif en fait qui fait avancer l'action. Donc on va passer Et donc du coup successivement par les points de vue. Pardon, je te coupe. ouais, les points de vue alors le narrateur est externe, il est focalisé sur un personnage, mais des Ouais. fois il passe à un autre Ouais. pour justement présenter un petit peu sa manière de voir le monde Bah oui, ce qu'il et voilà. ressent, ce qu'il pense, parce que là, du coup, on voit quand elle observe le toit de leur cabane, là, on voit ce que ça lui procure comme sensation et tout ça. Donc, moi, je vais pas te le reprocher, je le fais aussi. C'est pour ça que Katrina m'a tapé sur les doigts, d'ailleurs. Parce que bah, y a des personnages qui sont pas tout à fait principaux mais qui sont pas tout à fait secondaires non plus et dont c'est important d'avoir le ressenti et pour l'histoire et pour le développement du personnage et pour l'attachement au personnage. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Puis en plus bon bah je m'en doute hein, que c'était voulu, mais je préfère qu'on l'explicite une bonne fois pour toutes. Alors, elle se fourra contre Pierre. Bah, du coup, oui, maintenant je comprends mieux les prénoms qui semblent obscurs. Du coup, en fait, on les reconnaît après. Elle se fourra contre Pierre qui dormait à côté. Il lâcha un ronflement qui ricocha sur la tôle au-dessus de leur tête. Les braises des canaris envoyaient leurs ombres tout autour d'eux. Dans l'ombre. Ah, bah tiens, là, j'avais pas vu. On a ombre et ombre. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est mal. Dans l'obscurité, peut-être. Ouais, quelque chose comme ça.
Je vais chercher encore un peu. Ouais, bon, je te le mets en attendant. L'obscurité. Ou alors je te mets juste répétition. Ouais, elle m'avait échappé celle-là. De toute façon, des fois, je peux relire 4 fois les textes, je trouve toujours des trucs au bout de 4 fois. Tu crois que tu t'as tout vu, et puis en fait, non, on retrouve toujours des trucs. Alors que souvent, l'auteur, l'autrice a déjà relu lui-même plusieurs fois. Alors, donc, dans l'ombre, Maya chercha les trous de la voûte, elle les connaissait par cœur, ceux qu'elle avait rebouchés, contreplaqués, étanchéifiés. Chacun enfermait un souvenir précis et daté. Chacun était marqué du sceau funeste et roussi d'une mémoire héritée, une mémoire construite par les chasses, les poursuites et les vagues d'assaut des abeilles. La mémoire d'autres abris, aujourd'hui réduits à la poussière. L'abri 4 était étroit, déjà trop étroit pour 6, mais il était sûr et à 6 journées de marche des anciennes sociétés. Donc là, tu vois, je t'avais mis le commentaire sur le nombre, mais du coup c'est bon, c'est réglé, on est bien d'accord qu'ils sont 6 au total. Mais je crois, attends, il y a Tibère et son fils, Maya et Pierre, Icare, ça fait 5, Ouais. et il y en a une qui reste pour surveiller la brique. Oui. D'accord, c'est bien ça. Ouais, donc du coup je reviens vite fait là, t'as parlé d'une suite, c'est ça? En fait, c'est Pardon, j'ai pas compris. tout à l'heure, enfin, quand on a parlé du paragraphe d'avant, enfin, sur un commentaire précédent, quand on a parlé du point de vue, t'as dit pour les textes suivants, donc il y aura une suite. Non, c'est les textes que je vais écrire ensuite. D'accord. Donc n'importe quelle histoire en fait, plutôt que de travailler avec un héros Ah oui. prédéfini et plutôt mettre en avant un groupe. D'accord, plutôt qu'un seul personnage, ok. Alors, je me réjouissais déjà d'une suite. Ouais, ben le texte s'y prête un petit peu, mais Bah oui, tu effectivement, là, nous. c'est juste une nouvelle. Vous allez voir quand on va arriver à la fin, hein, vous aussi, vous allez demander une suite, parce que franchement, on est sur une fin ouverte, donc bon, après, peut-être t'autorisera les fanfictions. Oui, bah ça, il n'y a pas de problème. Alors, les. Non, ça, je l'ai déjà lu. J'en étais là. Voilà. Maya aurait le temps, pensait-elle, de poursuivre ses réparations avant que leur zone soit dans le périmètre d'autonomie des abeilles. Elle achèverait de les protéger toutes et tous. Elle répondit à Tibère dans une langue confiante. Mampitak me l'a dit en son temps. Il soupira. En quittant les buttes brunes, j'ai pensé au vieil Aubert. Cela fait bien 2 saisons qu'il n'est pas passé par la bricade. Peut-être qu'il a été brûlé par aux abeilles, ou bien qu'il a réussi à passer sur le continent. Tu te souviens de ce qu'il disait? Mon tour viendra bien trop vite, je le crains. Les abeilles ont changé leur quota, et elles abattent des mounes de moins en moins vieux. Donc là, je fais celle qui veut tout savoir, parce que c'est ça qui est un peu intéressant quand tu travailles en amont avec l'auteur ou l'autrice d'un texte, c'est que tu peux avoir des questions sur ce qui n'est pas, et des réponses surtout sur ce qui n'est pas dit dans le texte. Parce que en fait, moi, quand j'ai donc assisté à quelques passages de la rédaction sur tes lives, donc j'avais cru comprendre, comme je t'ai mis là, que c'était en rapport, enfin, pourquoi en fait les abeilles les traquent les humains et les tuent. Ouais. Et sur quels critères? Parce que là, on a l'impression que c'est l'âge. Oui, en fait, les abeilles sentent le taux de carbone émis par un C'est corps ça. sur la durée, et quand ce taux de carbone a dépassé leur quota, et ben ils détruisent ce corps. D'accord, donc c'est pas l'émission de carbone. Ouais, c'est bien ce que tu vois, je t'avais mis là, c'était un rapport.
De ce que j'avais cru comprendre, c'était en rapport avec une émission de carbone ou un truc dans le genre. Je me rappelais vaguement. Donc c'est l'émission du taux de carbone sur toute une vie et pas au moment où il les scanne en fait. Oui, voilà, c'est sur toute une vie. D'accord, donc c'est pour ça Il que y a une jauge, le, en fait, et puis ouais. ils analysent ça, et voilà, quoi. C'est pour ça que l'âge sert de bon repère pour eux, quoi. Donc là, Tibère, il est pas très vieux, il a quoi? S'il a un fils d'une dizaine d'années, il peut avoir entre 30 et 40 ans, en gros. Ouais, il a 40 piges. Ouais. Il a 40 piges, ouais. Ouais, donc dis donc, ça fait pas long d'espérance de vie. Hein. Parce Non, ça que. c'est sûr, ça Ouais, c'est sûr. parce que celle qui découvre au début, du coup, elle a le même âge, donc. Elle a mon âge. Ouais, elle a une saison de plus, Ouais. sachant qu'aux Antilles, on n'a que 2 saisons. Donc à chaque fois qu'il y a une saison qui est indiquée, 2 saisons, ça fait 1 an, quoi. Ah d'accord, bah, je me suis demandé si c'était si les saisons ça comptait 4 ou si c'était pour dire une année. D'accord, donc quand il a 12 saisons de plus que Maya, en fait c'est 6 ans. Exactement. Je suis forte en calcul, hein, pas seulement en écriture. Ouais. Alors. Je regarde vite fait le chat et je vois c'est bien aussi les fins ouvertes. Oui, c'est bien, mais c'est frustrant. Alors, Yen ne seront pas sur nous avant 3 autres saisons. Nous avons le temps. Nous pourrions aller plus loin ou même tenter la traversée. Nous avons le temps, Tibère. Pierre se tourna sur sa couche pour leur faire face. Les murmures excités l'avaient réveillé, mais il n'était pas fâché. Il pointa un doigt massif en direction de la porte occultante de l'abri. Il en est tombé un pas loin et elle est arrivée en bout de vol, batterie à plat. Je vous emmène voir demain. Dormons. Au matin, quand les grenouilles de mort s'enterrèrent, donc ils n'ont pas juste les abeilles, ils ont aussi les grenouilles. Oui. Remonte un petit peu le document là parce qu'on le voit plus Ah. sur le stream. On voit Les. plus où tu en es. Sur les grenouilles? Oui. Oui. Là, les grenouilles de mort. Donc ça, c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose qui appartient à cet univers? Alors, c'est quelque chose qui existe, qui appartient à l'univers de la nouvelle. Je ne suis pas très fan de la dénomination, les grenouilles de mort. Ouais. En fait, la nuit aux Antilles, on a des grenouilles qui sont nocturnes et qui se mettent à piailler dans tous les sens. Ouais. Et donc, les grenouilles de la nouvelle, là, donc qui s'éveillent et qui s'endorment le matin, qui Ouais. s'éveillent au début de la nuit et qui s'endorment le matin, sont mortelles. Je les ai appelés les grenouilles de mort. Mais D'accord. si on les touche, par exemple, voilà, on en crève. Mais D'accord. c'est un petit peu malheureux. Puis surtout, c'est pas vraiment exploité. Là, on y fait référence. Et, Deux fois, je crois. et, et ouais, quand Tibère sort le nanojecteur et qu'il y a le cliquetis, Oui. il fait tourner le cliquetis de la bague, ça rappelle à Baptiste. Ouais. Les cliquetis des grenouilles de mort. Du coup, t'aimes pas l'appellation les grenouilles de mort. Ouais, je cherchais peut-être à remplacer ça par grenouille zombie ou quelque chose comme ça, mais sans tomber dans le délire zombiesque, quoi. Ouais. Non, Je c'est sais marrant. pas trop Ouais. comment les nommer, quoi. Ouais, ça me fait rire parce que il y a une autrice qui est aussi sur Rocambole, mais pas que, Svetlana Kirinina, et qui publie de temps en temps des petites fictions audio sur YouTube. Et elle a une. Il y en a une, c'est les grenouilles vampires. Eh ben, c'est la joie. Du coup, vous devriez en discuter. Voilà. Ouais, je vais lui envoyer un message. Ah, je pense qu'il y a moyen là.
Non, je trouvais la coïncidence marrante du coup. Alors, du coup, t'as modifié là-haut directement ou parce que sur la première occurrence des grenouilles? Je vais le faire, je vais le faire. D'accord. Je vais le faire. Mais je cherche encore un terme un peu plus peut-être Oui. original que grenouille zombie. Ouais, oui, surtout que là, c'est pas spécialement radioactif. Il n'y a que les Non, grenouilles qui non, seraient c'est pas zombies, radioactif. quoi. Elles sont bien vivantes. Ouais. C'est juste que ouais, c'est ça, elles sont empoisonnées. Ou en tout cas, elles empoisonnent Ouais. les personnes ou les créatures, les animaux qui les touchent. Ouais. Ben, faudrait que je demande à mon fils, c'est un expert en animaux, il pourrait te dire des noms de grenouilles comme ça, parce que ça existe, ça, ouais. Des grenouilles toutes petites, toutes mignonnes, toutes colorées, et puis en fait qui sont super létales, c'est pas mal les grenouilles létales. Parce que sinon tu Ouais, pourrais mais t'inspirer là d'une. pour le coup, c'est pas un adjectif que je vais chercher, c'est le nom des grenouilles Ouais. qui reflète le fait qu'elles soient létales. Ouais. Du coup, Ça peut être les zombouilles, par exemple, tu on... vois, mais il faut à la fois garder le caractère de la grenouille, qu'on reconnaisse Ouais. Le mot qu'on valise très reconnaisse heureux, les zombouilles. Ouais. Les grebis. Bah, ou peut-être voir avec. Ouais. Mail X-ray qui cherche des grenouilles venimeuses, ça pourrait être aussi s'inspirer de grenouilles qui existent. Ouais, et dans ce cas-là, trouver un nom commun au nom scientifique que Maï trouverait. Parce que ça, oui, je te dis, il y a les toutes. Bah, tu dois connaître de toute façon les toutes petites grenouilles super colorées, là, très attirantes et justement. Très dangereuse. Alors, au matin, quand les grenouilles zombies, Des okopipi. Oh mon Dieu. les Ok. okopipi. Okopipi, ça vient d'où exactement? C'est en quelle langue? Dendrobate azureus. Dendrobate, c'est okopipi. Ça va pas parler au lecteur okopipi. Non, mais c'est un nom marrant. Alors du coup, Oui. vu qu'à chaque fois qu'on les nomme, c'est avec Baptiste qui est l'enfant. Oui. Ça peut coller, tout à fait, ça peut être cool. Ça fait moins peur du coup. Hein. Alors, ouais, parce que les grenouilles zombies, ça fait quand même. Ça colle pas trop au ton, je trouve, Amérique du Sud. Ouais, du c'est bien ça, texte. Amérique du Sud. Okopipi. Son nom en langue indienne, Thireo et Okopipi. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans Wikipédia? Bah rien, à la Ah bah. place, ça sert à rien. C'est clair. Bon bah du coup, on part sur Okopipi. C'est j'ai du mal les grenouilles Ouais, zombies. ok. Ouais, je vais partir là-dessus. Ok. Alors, au matin, quand les grenouilles Okopipi s'enterrèrent et que Baptiste put marcher sans crainte sur l'herbe rare de la plaine, Pierre déploya le cerf-volant. L'étoffe souvent rafistolée tira la nacelle roulante de le. Bah, là, t'avais écrit l'arbi. Du coup, je t'ai juste remis dans le bon ordre. De la bricade à travers les étendues qui bordaient l'île, les boues grises aux frontières des mangroves. Le véhicule était assez mobile pour être dirigé à travers les passages les moins caoteux, sur les replats où la vie résistait. À bord, Pierre prenait soin de montrer les commandes à Baptiste. Il lui apprenait la langue des. Alors là, je ne sais pas si le R était volontairement enlevé ou pas. Les Ah, transports. c'est parce que je pense que j'avais voulu écrire transporteur en créole avant. Ouais. C'est Euh, pour ça donc ce que je me euh, suis ouais, il demandé. manque le R, ouais, des Du coup. transporteurs.
Je t'ai mis, je me dis que ça peut être voulu, mais dans le doute, je préfère signaler. Alors, il lui apprenait la langue des transporteurs, la langue véhicule. Ma langue est un chariot allant de mon cœur à ton esprit. Elle me déplace entier pour t'apprendre ce que je suis, comment je vois le monde, comment je le réfléchis. Libre à toi de me comprendre, d'entrer en résistance ou en communion. Si tu l'apprends bien, elle sera le reflet humble et honnête de notre réalité. Pierre rép... Donc là, c'est Pierre qui parle. On est bien d'accord? Oui, c'est Pierre qui parle, ouais. Parce que je me suis dit que ça pouvait être aussi une explicitation de cette langue véhicule et du véhicule qui s'exprimait. Mais là, je suis parti loin, Ben, en fait, peut-être. c'est Pierre qui explique à Baptiste quelle est sa langue, quoi. Ouais. Sa langue de transporteur. Parce qu'ils ont chacun un rôle dans l'abri. Ouais. Pierre, donc c'est le transporteur, c'est celui qui conduit. Tibère, c'est le récolteur, celui Ouais. qui va chercher Le métal. les pales et Ouais. les pales d'éoliennes. Maya, c'est la retapeuse qui répare. Et donc du coup ils ont chacun leur langue et leur manière de s'exprimer. Ouais. Et Pierre est en train de former Baptiste et donc il lui dit voilà. Si tu veux apprendre à manier un véhicule, il faut que tu apprennes ma langue, mon vocabulaire. Ouais. Voilà, donc il lui dit ça, et puis ensuite il continue, et donc la fin de la leçon, elle n'est pas entre guillemets, Oui, elle est en plutôt en elle discours est juste narrée, indirect, quoi. ouais. Mais je m'étais dit, parce que des fois je délire un peu, donc c'est comme ça que je l'avais compris, mais je m'étais demandé si ça pouvait être aussi un peu le véhicule qui parle en fait, la langue véhicule, et du coup, mais ça partait un peu loin. Ouais, ça va un peu plus loin. Je ne prends rien, je précise. Alors, Pierre répéta, ne pas trop tirer sur le cadre pour ne pas renverser le chariot. Garder le vent de profil, le cerf-volant dans la diagonale. Armer le bras, planter le talon. À leur côté, Maya, Tibère et Ika, l'orpheline tombée du ciel. Cécé était resté en arrière pour surveiller l'abri. Pierre ramena le cadre contre son biceps. Les vents étaient de leur côté, ils avançaient vite. J'ai vu que tu as bougé des trucs. Est-ce que je sais plus si j'avais mis d'autres commentaires sur ce passage-là, si tu as validé un truc ou pas. Il manquait un R, encore une fois, je devais avoir un problème avec les R. D'accord. Non, un N, à renverser. Ah. Et j'ai rajouté des guillemets, je me suis dit, bon, allez. Soyons ouf. Ah oui, du coup, tu remets en discours Ouais, comme ça direct finalement. on sait vraiment que c'est vraiment lui qui parle. Ouais. Mais c'est un discours inséré dans la narration, donc c'est pas une ligne de dialogue. Voilà, je pense que c'est assez cool, assez enfumé en fait. C'est dans la narration, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, avant les guillemets, on comprenait bien déjà. Hein. Oui, Tout mais comme seul. tu m'as posé la question, je me suis dit qu'on ne comprenait peut-être pas assez. Donc. Non, mais le côté intégré à la narration où tu voulais pas en faire un dialogue, en fait, c'est plus celui qui parle et le texte raconte ce qu'il dit sans le. Sans que ce soit du dialogue. Bref, il est plus de 10 heures ici, donc tu vois, je commence à avoir du mal à m'exprimer. C'est pour ça aussi que j'ai décidé maintenant sur les coachings de faire un premier passage en amont parce que le soir, je suis pas à mon max. Ok, bon, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ça va. Je fais avec ce que tu me donnes. Il n'y a pas de problème. Oui, et puis. J'ai vu l'autre fois que t'arrivais, même quand je dis vaguement, t'arrives à peu près à me comprendre. Et à pousser même plus loin que ce que je dis, donc ça va. Après la crête, une dernière encablie et nous serons tout près de Lanzabeille. Tibère scruta l'horizon qui s'élevait derrière la colline. Aucune fume roule dans le ciel, mais sur le flanc opposé, une griffe déchirait la terre. Lanzabeille s'est écrasée sur une dizaine de mètres. Avait déboulé jusqu'au bas de la ravine pour s'écrouler sur elle-même dans l'herbe et les trous d'argile. Tibère s'étonna de sa taille.
Ce n'est pas Selang qui nous a attaqués hier. Il enjoignit son fils à regarder, tout comme lui, le monstre métallique plutôt que d'observer les vagues du cerf-volant entre les nuages et remarqua l'intérêt soudain d'Ika. Ouais, là, je t'ai suggéré de supprimer tout comme et de mettre plutôt lui aussi. Je l'ai pas expliqué. Il enjoignit son fils à regarder tout comme lui. Ouais, ça va aussi, mais je sais pas, ça me paraissait moins. Après, ça, c'est Là, des. le tout comme lui, je pense que je l'ai écrit pour signifier un peu plus la transmission, tu vois, du père qui essaye d'apprendre à son fils. Ouais. Donc de Ah faire oui, tout comme dans lui, quoi. l'imitation, d'accord. C'est un marqueur un peu plus fort que Ouais, lui aussi. d'accord. Oui, bah ça doit être ça qui m'avait gêné, enfin qui m'avait que j'avais voulu changer, mais du coup, il y a un petit peu un côté d'autorité. Donc on peut Ouais, il le. y a un côté d'autorité. Par contre, la phrase est un peu longue, donc du coup, j'ai mis un point en plus. Alors, l'adolescente se pencha sur le. Ah. Voilà, et lui aussi, je le mets là. D'accord. Parce que ça bougeait en même temps que je lisais alors. Et dans la réplique précédente, le Oui. terme de encablir, est-ce que tu le comprends? Ben, je vois ça comme une unité de mesure. Alors, encablé, ça doit correspondre. Encablé en français, ça doit correspondre à quelque chose, mais je saurais pas dire combien, mais j'ai vu ça comme une unité de mesure. Ouais, c'est ça, c'est une encablure en fait. Ouais. Le U devient I en Ouais. créole et Oui, le donc R ça, je final l'avais. tombe pour devenir un accent. D'accord. Ben, ça, je l'avais. Oui, je l'avais identifié. Après, je te dis, j'ai aucune idée de combien ça. Combien ça fait? Alors, il remarqua aussi l'intérêt soudain d'Ika. L'adolescente se pencha sur le plat-bord du chariot, le visage fermé. Tibère se voulut rassurant et la prit par l'épaule. Ça te rappelle quelque chose? Ika prit un temps pour répondre. Elle rengaina son souvenir. Pas tellement. Ah oui, donc du coup, les précisions que tu m'as apportées tout à l'heure sur les saisons. Et les durées, ça va m'aider sur les commentaires que je t'ai mis après, en fait. Alors, pas tellement. Il n'y avait pas deux abeilles là où on t'a trouvé, seulement le dirigeable de ta nation. Le mot n'effleura qu'à peine les paupières d'Ika. Pierre l'observait en silence. C'était lui qui, presque 20 saisons plus tôt, l'avait secouru. Ika avait alors le même âge. Donc là, maintenant, on comprend. Que 20 saisons, c'est 10 ans. Je t'ai mis le même âge que Pierre. Du coup, pourquoi alors? Elle a toujours le même âge normalement que Pierre. Si c'est le même âge que Pierre, elle a toujours le même âge que lui. Et si c'est pour dire elle avait 20 saisons, dans tous les cas, je trouve la formulation pas claire. Effectivement, c'est pour dire qu'elle a 20 saisons. D'accord. En tout cas, qu'elle avait 20 saisons le jour où elle a été Oui, ils trouvée. l'ont trouvé, ouais. Donc, du coup, oui, ça renvoie à ça. Donc, elle était petite, ça explique aussi qu'elle n'a pas de souvenirs. Ou peu, ou qu'elle les cache. Elle était frêle et agitée. Sa nation avait fui comme toutes les nations, mais par les airs, les abeilles les avaient facilement rattrapées. Ika secoua la tête, elle ne se souvenait définitivement rien. Et puis c'était maintenant l'abricat de sa famille. Ouais, je me suis demandé. Pour le 2, mais ça passait aussi de 100. Eh ben non, ça passait pas, dis donc. Elle ne se souvenait rien. Ça veut rien dire. Elle rajusta une sangle à la matière de Tibère lorsqu'il était mal à l'aise. Donc là, je t'ai mis. Moi, je suggère une suppression de la virgule parce que. La manière de Tibet lorsqu'il est mal à l'aise, pas juste la manière de Tibet. Tibère.
Ou alors... Voilà, bon Ouais, vas-y. ça marche. On supprime la virgule. Ok. Pierre stoppa le chariot à bonne distance de l'Enzabeille. Il fit s'abattre le cerf-volant avec sa plus grande douceur et sauta de la nacelle pour réaligner les cordes au cas où un démarrage en urgence serait nécessaire. Moi j'ai mis serait nécessaire. Parce que été, ça me sonnait bizarre. Au cas où un démarrage en urgence était nécessaire. Les temps, c'est toujours un peu chiant. Ouais, là j'ai hésité en fait entre aurait été. Je crois que dans la conjonction de. Dans la. Comment on dit là? Les temps. Ouais. ça aurait été plus aurait La été, mais je trouve ça un concordance peu des lourd, temps. donc du coup. Je sais pas. Bah oui, parce qu'on est au passé. Mais du coup, juste été, vu qu'on est dans l'hypothèse, oui, aurait été, ça. Au cas où un démarrage en urgence. Nécessaire du coup, non? Bah là, on passerait au passé simple. Est-ce qu'on a des spécialistes de la conjugaison avec nous? Il sauta de la nacelle pour réaligner les cordes au cas où un démarrage fut nécessaire. Aurait été, je trouvais ça un peu lourd en fait Ouais. à lire. Donc du coup, j'essayais de trouver autre chose que ça. Au cas où un démarrage en urgence. Ouais, aurait été nécessaire. Sinon, tu feintes avec au cas où il aurait fallu démarrer en urgence. Mais du coup, avec la feinte, on voit que c'est aurait fallu. C'est du... Je sais plus quel temps. Passé antérieur, un Non, truc mais comme ça. ça alourdit encore plus Ouais. au cas où il aurait fallu. Oui. Ouais, mais ouais, parce que toi, tu cherches à rester sur une phrase sans la phrase sans l'alourdir, mais du coup, ouais, là, la concordance des temps, c'est... Ouais, voilà, la concordance des temps, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Le futur antérieur, du coup, ouais, c'est non, c'est du conditionnel. Conditionnel passé aurait Ouais. été. Et du coup, c'est le temps qui est requis, qui serait requis alors? Ouais, c'est le temps requis. Avec serait, on reste dans du conditionnel. Conditionnel présent, ouais. Mais on va rester sur ce. Parce que en plus, je me dis comme c'est ça doit être une habitude en fait qu'il a, c'est quelque chose qui est récurrent en fait. C'est comme une tradition, quelque chose qu'il fait à chaque fois. Dès qu'il arrête son véhicule, il reprépare les cordes pour au cas où. Ouais. Et du coup, le Ouais. présent, il peut coller même dans le passé pour ce côté où c'est universel, absolu un peu. L'alchimiste propose de passer par de l'infinitif. Alors du coup, il y a pour réaligner les cordes, il propose pour prévoir un démarrage d'urgence. Ouais. C'est une bonne astuce, mais ça fait une répétition du pour. Du coup, je vais passer par une périphrase. Ou en cas Et d'urgence. voilà. Même juste en cas d'urgence, à la limite. Non, parce que là, du coup, on perd l'urgence, elle est liée au démarrage. Ouais.
donc au décollage, au démarrage. C'est pas vraiment un décollage, mais Ouais, j'ai pas eu l'impression qu'il volait. je pense qu'il faut garder l'idée de démarrage quand même. D'accord. J'ai pas eu l'impression qu'il volait, moi. J'ai eu l'impression que c'était un peu Comment c'est? comme le kite surf là, où en fait ils se font traîner par un cerf-volant. C'est ça, c'est exactement ça. Ils sont sur un chariot avec des roues. D'accord. Donc c'est bon, ça on comprend bien. Bon après, si le vent est fort et qu'il est tout seul dans la carriole, peut-être des fois il décolle un peu. Alors. Peut-être un tout petit peu, ouais. Alors, par contre, là, tu coûtes un qui traîne. Tiber sorti ses clés anglaises et un marteau débossé. Là, je t'ai changé, je sais pas s'il fallait, si c'était un mot créole. Merci Maï de ta présence. Ah! On se recapte bientôt sur Twitter ou sur la chaîne. Il Eh ben, n'y a pas bonne de souci. soirée, Merci. Maï. Merci d'être passé, en tout cas. Alors, ouais, débossé. Je savais pas si c'était une coquille ou pas. Du coup, je t'ai suggéré l'accent aigu. Ouais, alors c'est un. Je sais plus le mot exact. Je crois que c'est un marteau débosseur, on appelle ça. Ah. Et du coup, j'ai essayé de le créoliser un petit peu. D'accord, donc c'était voulu. Mais là, je m'aperçois à la lecture qu'il y a un S en trop, de toute manière. Alors, si tu enlèves un S, on va prononcer Z. Eh ben non, En parce que créole? le Z se prononce comme dans clé anglaise. D'accord. Donc, ouais. Oui, bah oui, si c'est parce que là, Donc, il est en créole. Ok. c'est un marteau débossé. D'accord. Faut le lire en créole. D'accord. Ouais, c'est juste une astuce de reconnaître les mots créoles et les prononcer de la bonne manière. Ouais. Mais Ok. c'est tout le sujet de ce texte, hein, quand Pierre parle de sa langue, Oui. c'est exactement ça. C'est la relation que tu as entre toi et moi. Si tu comprends pas ma langue, comment veux-tu comprendre ce que je te raconte? Ben oui. Ouais. Et c'est exactement ça. Ok. Du coup, réflexe, par contre, il manquait l'accent. Tiber sortit ses clés anglaises et un marteau débossèrent par réflexe. C'était les ailes de la mécanique morte qui l'intéressaient. On est bien d'accord que c'est les ailes qui l'intéressent. Exact. Du coup, petite coquillette. Baptiste traîna dans ses pattes jusqu'au bout, impressionné par le dard de l'engin, un métal étrange tout en anneaux et languettes. Maya mesurait déjà des mains la superficie de métal que le groupe pourrait récupérer et ramener à l'abri. Elle demanda à Baptiste de reculer et de les laisser faire. Cependant, une pensée empêchait. Oui, là, je t'ai empêché Tibère de se mettre au travail. Empêcha. Alors, moi, je t'ai mis l'imparfait implique une durée qui pourrait illustrer son temps de réflexion, le passé simple, une immédiateté qui suppose qu'il interrompt brutalement son mouvement. Donc, du coup, parce que, Oui, bah, ouais. il interrompt son mouvement parce qu'il a commencé à sortir ses clés Ouais. anglaises et à mater la mécanique, donc pour voir comment il allait pouvoir accéder aux ailes et les faire tomber, tu vois. Ouais. Et puis d'un coup, il y a une pensée en fait qui l'empêche Ouais. de continuer, tout simplement. Donc du coup, pas si simple, très bien. Après, tu vois, je me doute que la plupart des trucs sont voulus, mais des fois, on peut apporter, enfin, proposer une nuance et tout. Donc je préfère toujours proposer quand même. Parce que je Ouais, m'étais dit non, qu'il mais tu fais bien. pouvait être en fait en pleine réflexion, même en sortant ses outils, tu vois. Yes. Avec ses ailes et ce dard, on pourrait armer la nacelle puis filer vers les continents comme le vieil Aubert. Nous avons la science pour ça. Il avait en tête les éclats colorés. Je sais pas si du coup là il y a un. Ouais. Non, il n'y en a pas, effectivement. C'est une coquille. Les éclats colorés qui parvenaient.
Ah bah là, tu vois, c'est là que j'ai loupé aussi, qui provenait du Je devais large. être très, très fatigué Oui, t'étais ce en fin de soir. séance. Qui parvenait du large la nuit comme des appels à la résilience. Il imaginait les dernières nations libres d'aller et venir. Dans son esprit, elle lui disait de venir les retrouver, de fuir cette terre maudite. Maya soupira sans plaisir. Tu recommences? C'est vrai, cet élan-là est plus énorme que les autres. Au bon voltage, on causera plus de dégâts qu'anti abeilles. Donc là, je te remets sur le changement de point de vue, mais du coup, on s'en fout. Pierre interposa son tablier. Lui aussi avait des poux derrière la tête, assez pour démanger ses nuits de réflexion assourdissante. J'ai bien aimé ce passage. Ouais, c'est une petite, comment dire, un petit clin d'œil à Peter Pan. D'accord. Ouais. Enfin, le Peter Pan, le Peter Pan que j'ai écrit, je sais pas si tu Oui, l'as lu. non, justement, je projette de le Mais, commander bientôt. Donc tu te bah, fais des... C'est un les poux qu'on a easter dans egg. la tête, c'est... C'est des trucs qui nous turlupinent. Ouais, c'est ça. Donc c'est un easter Ouais, c'est un petit egg. easter egg. Bah tu vois, sans avoir la référence, j'ai trouvé déjà cool. Ça me fait une raison de plus maintenant de commander ton livre. Ouais, tout à fait. Il aurait déplacé des mornes et des pitons s'il avait pu acheminer la moindre solution à travers de leurs problèmes. Chaque membre de la nation de la Bricade se demandait comment survivre. Aucun corps n'était immobile, mais Pierre était conscient que les lois ne suffiraient pas à garantir leur sécurité. Tibère, le temps n'est plus vraiment à la fuite. Après toi, c'est moi, c'est Maya et CC. Du coup, là, je t'ai mis pour se montrer plus convaincant. Il pourrait aussi citer le fils de Tibère dans le passage avec le nanojecteur. On a bien senti cette angoisse de voir son fils mourir. Comment il s'appelle le gamin déjà? Putain, j'ai oublié. Baptiste. Oh. J'ai eu un trou aussi, du coup, quand t'as demandé, j'étais là. Je crois que je l'avais plutôt à l'envers, genre Tibas, mais c'était plutôt. C'est mélangé avec le nom du père. Mais fuir, c'est ce qu'on a toujours fait. On sait que les abeilles ne circulent pas dans les zones trop éloignées de leur société. Je parle ton langage. Si on amène le chantier à la pointe, nous emprunterons assez de calme, assez de temps pour prendre le large. Le large vers où? Vers les chimères du vieil Aubert? Aubé, du coup? Et il n'était pas dans l'autre sens, l'accent? Mais j'ai corrigé à chaque fois que tu prononçais. En fait, c'est OB, c'est bien OB, D'accord, c'est c'est pas Aubert, Aubé, c'est d'accord. OB. Ah bah voilà, alors après, moi je prononce mal, mais c'est pas ma faute. Désolé. Vers les chimères du vieil Aubé, il n'y a rien de certain là-bas. Il n'y a rien de certain là-bas. Des illusions, appuya Maya. Tibère sentit son corps fondre à mesure que les larmes d'angoisse perlaient son cœur. Il avait toujours fui. Ouais, du coup, t'as plein de petites images comme ça qui me font penser, parce qu'il y a beaucoup de retours justement sur ton Peter Pan, où il y a un côté poétique, onirique et tout. Et je le sens bien, je le vois bien dans tes textes, ce côté-là. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis bien tentée. Il avait toujours fui depuis le jour de sa naissance jusqu'à celle de Baptiste. Il n'avait connu que ça. Ce matin, l'espoir d'une vie meilleure leur était offert par les lois. Il ne lui restait pas beaucoup de jours avant que le ciel et les abeilles viennent après lui. Il ne laisserait pas s'échapper cette chance. Je vais avoir besoin de vous pour construire un dirigeable. Pierre a appris à Baptiste comment naviguer. Les vents seront contre toi pendant encore une saison. Tu n'y arriveras pas. Les épaules de Tibère se désolidarisèrent de son esprit. Il désangla sa ceinture d'outils qui tomba dans la boue. Baptiste la ramassa pour ne pas trop prêter attention aux sanglots de son père. Ika, qui se taisait jusque-là, apporta son soutien au père qui se faisait vieux. Je crois bien être la preuve que la fuite mène toujours à la perte. Donc là, je t'ai mis. Elle le soutient, mais essaie de le dissuader, c'est bien ça. C'est bien Tibère qui veut fuir avec un dirigeable armé de la grosse abeille.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, on sent pas le soutien en fait quand elle parle. Tu mets à Porta son soutien et du coup, là, elle lui dit que fuir, c'est pas la solution. Ouais. En fait, elle vient quelque part le rassurer. Peut-être en venant lui toucher l'épaule, tu vois, comme il Ouais. a fait lui-même dans le quand ils étaient à bord de la nacelle. Ouais. D'accord, donc c'est plus un soutien physique Je change ça. C'est un soutien psychologique. Mais qui après, elle passe. va le rassurer dans le sens où ben, enfin, il faut pas fuir, quoi. Il faut pas céder Ouais. à l'angoisse de cette fuite. Ouais, mais parce que justement, comme tu mets à Porta son soutien, on a l'impression qu'on s'attend à ce qu'elle aille dans son sens. Et en fait, elle Ouais, essaye ouais, de le ouais. convaincre du contraire. Ouais, il faut que je reformule ça, ouais. Nous sommes d'ici, nation entière de la Bricate. Notre refuge est petit, mais il a tenu depuis tant de saisons qu'il en est devenu le plus grand. Ce qu'il nous manque, c'est un peu de courage. Le même qui te fait sortir chaque jour, Tibère. Pierre ouvrit les bras en signe de paix. Le groupe entrait en pourparlers, la seule manière de rédiger les di de pff, de régler les différends. Tibère avait voulu les convaincre trop vite. Il relançait son jeu pour couvrir son émotion. Donc c'est t'as mis au pluriel, c'est eux qui relancent. C'est ça? Il relance. Quand tu mets il Ouais, relançait c'est les son autres. jeu, c'est pour dire qu'il ramène la conversation un peu d'une autre sous un autre angle. C'est exactement ça. D'accord. C'est comme ça que je l'avais compris. Je me demandais juste la précision. Il est modulaire tour à tour sur la lyre d'Orphée. C'est beau ça. C'est la phrase suivante. Ouais, mais tu l'as pas écrit comme ça. Il modulaire tour à tour la résonance du groupe pour Ouais, percer la la. lyre d'Orphée. C'est encore un easter egg D'accord. d'un poème de Gérard de Nerval, Eldes Shadow. D'accord. Je suis très C'est inculturé. peut-être mais si tu connais pas, je me dis que c'est peut-être un peu trop pour quelqu'un qui a la référence, mais. Ouais, mais après, tu l'écris pas seulement pour les autres, tu l'écris aussi pour toi. Oui, puis ça rentre dans le cadre de. Oui. Le sens est différent dans le poème que ici. Ouais. Mais du coup, c'est mot à mot, quoi. D'accord. Modulé tour à tour sur la lyre d'Orphée et autre chose encore, je ne sais plus ce que c'est le poème exact. D'accord. Ça m'échappe là. Eh bah écoute, j'irai regarder. Si j'oublie pas d'ici là, j'irai regarder. Alors là, pour percher la poche abstraite de l'esprit loi, donc là, je t'ai mis, là, ça reste obscur pour moi. C'est Ouais, pour donc là c'est crever la poche l'abcès en gros. abstraite. Abstraite. L'esprit loi, normalement, il apparaît au tout début quand ils sont en train de fuir. Attends, je remonte. Bon, on va pas s'embêter. Bah, il ne trouve pas esprit loi. Si je mets loi. Si je mets loi, je vais en avoir plus. Mais juste l'esprit. Ah Mais oui, juste l'esprit, l'esprit, c'était pas écrit tu pareil, c'est vas le pour trouver. ça. Ouais, L'esprit. j'ai. Ouais. J'avais mis. C'est là. Ils cherchèrent dans l'esprit loi les restes des contes que le vieux aubé trimballait de terre en terre, de zone en zone. Du coup, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, ce que c'est l'esprit loi. C'est un peu une conscience collective. Les lois, D'accord. c'est leur dieu. Ils Ouais. adressent leurs prières à ces divinités. D'accord. Et du coup, quand ils se connectent entre eux, quand ils se touchent le front, Ouais.
des idées communes qui émergent, c'est-à-dire qu'ils sont dans dans l'esprit des dieux quoi, qui est D'accord. une idéosphère en fait. Ok. Du coup, loi, je l'avais pas compris comme ça, tu vois. Comme ça ressemblait au mot français, je pensais que c'était l'espèce de législation. Mais c'est ça, c'est la législation divine. D'accord. Sauf que, au lieu d'appeler ça des dieux, ils appellent ça des lois. D'accord. Et les lois sont personnifiées. Ok. C'est exactement le même mot. D'accord. Alors. Tiens, bah. J'ai. Sur Discord, j'ai le chimiste qui m'a trouvé le poème, ou en tout cas la page. Une page sur Nerval. Gérard de Nerval, les chimères. El Desdichado. J'irai voir ça, merci. Yes. Merci beaucoup. C'est bien, on n'a pas à se fatiguer. Ils font les recherches pour nous, c'est cool. Alors, tu quittes l'abri chaque matin, tu parcours les zones mortes de l'île, tu recherches tous les cimetières de la vieille société, tu braves des dangers qu'aucun de nous ne peut soupçonner et tu nous apportes les ressources nécessaires à notre protection. Le courage qu'il faut pour se battre, tu l'as déjà en toi. Il te suffit de pousser un peu plus. Pousse un peu plus. Maya vint prendre Tibère par la main. Elle attira à eux Pierre et Ika. Tous s'agenouillèrent autour de Bâtisse. Ils collèrent leur front, commirent cette vibration qui les reliait toutes et tous et qui calma Tibère. Pierre, en frère, lui prit les locks. Il faut se battre, faux. Il est temps. La terre se trempa du sel de leurs larmes. Oui? T'allais dire un Il truc? faut se battre, fort. Fort, D'accord. c'est le, c'est-à-dire frère. Ouais, j'avais compris comme ça, mais après ma prononciation laisse à désirer. Ouais, le W c'est le R, un peu. Ouais, c'est ça, c'est le son voix. La terre se trempa. Ça, cette phrase-là, j'étais là quand. Enfin, je l'ai vue sur un de tes lives. La terre se trempa du sel de leurs larmes. Ils étaient tombés d'accord. Il était là le signe des lois. Ans abeilles crasées, toi encablis, enlais la brigade. Désolé. Il était temps qu'ils puissent s'élever contre leur misère. Donc là, moi, j'étais mis le fameux signe attendu dans la première phrase. Du coup, il pourrait être mentionné dans la dernière phrase, la suivante me semblant dispensable. On a compris implicitement et explicitement avec les mots de Pierre que l'heure est venue pour eux d'entrer en résistance. Ok, donc c'est un peu cheesy quoi cette dernière phrase, c'est ça? Bah, disons que c'est surtout que je trouvais cool de finir sur le signe des lois, parce que ça fait le parallèle et l'écho avec la toute première phrase, qui était s'il espérait un signe des lois depuis bien longtemps. Donc du coup, comme tu démarres avec les lois, je trouvais ça que ça pouvait être bien de Ouais. finir avec les lois. Et comme je t'ai mis, normalement j'ai rajouté, voilà, je commente mes commentaires. Et même j'inverserai les deux propositions. Ans abeilles crasées, toi encablis en l'air la bricate. Il était là le signe des lois. Et là du coup on finit vraiment sur le signe des lois comme on a commencé. Après c'était juste. J'ai trouvé que j'étais audacieuse de toucher à ta fin comme ça. Ouais, non mais c'est bienvenu de toute manière. Ouais, et donc du coup tu supprimerais totalement il était temps qu'ils puissent s'élever contre leur misère, tu Ben, mettrais parce. pas cette phrase ailleurs? Ben, je sais pas, parce qu'en fait, tu vois, là, il dit déjà, il est temps. Donc on a compris, il faut se battre, il est temps. Pour moi, on comprend, ils veulent plus seulement Ouais. subir. Attends, je t'ai mis autre chose. Tout ce passage m'a procuré de belles émotions. Tu as tellement bien réussi à faire ressentir en si peu de phrases le cheminement qui est le leur, ainsi que leurs sentiments, comment ils passent de la soumission et la peur au courage et à la révolte. Donc en fait, on sent
qu'une fois qu'ils se sont collés les fronts et tout ça, qu'ils ont parlé du courage et tout ça, en fait, ils ont pris cette décision collective que c'est fini de se cacher et de subir. En fait, ils ont eu une arme. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont trouvé potentiellement une arme et que du coup, ils vont pouvoir se défendre et plus seulement se cacher. Ouais. Non, t'as bien raison, ça marche. Donc j'imagine que maintenant ils vont aller péter des abeilles. Moi je trouve ça classe comme ça. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai suggéré. Les filles de feu? Oui, l'alchimiste, j'ai pas trop compris Si par rapport au ta début, quand on suggestion. parlait de l'esprit loi, il y avait un truc avec le feu, mais la vision du feu, mais il n'y avait pas de fille en feu. Enfin, dans mon souvenir, il n'y a pas de fille en feu. Ah! D'accord, bah vas-y, fais autre chose pendant qu'on fait notre truc. Il fait autre chose en fait pendant qu'on corrige, c'est pour ça. Ouais, bah du coup j'aime bien, il était là le signe des lois, ça me fait une... moi ça me fait l'effet d'une bonne conclusion. Ouais, ok, l'alchimiste, je comprends mieux maintenant. Et oui, ça fait une bonne conclusion, un peu punchy, peut-être un peu évidente. Oui. Oui, on fait pas dans l'originalité là. Punchy, moi j'aime bien après, mais c'est personnel. Moi j'aime bien, comme je t'ai dit dans 12, quand j'ai lu le début, ce que j'aimais bien, c'était le côté où ça tape. J'aime bien quand les mots heurtent un peu le lecteur, le bouscule. Après, oui, c'est un peu évident parce qu'on fait vraiment la boucle avec la toute première phrase, s'il espérait un signe des lois depuis bien longtemps. Donc on boucle la boucle. Enfin, je dis on tue, boucle la boucle. Ouais. Donc Non, mais ok. après, moi, c'est des Je pense que j'apprécie suggestions, quand même. des propositions. T'es pas obligé de les accepter. Ouais, mais c'est fondé, c'est sourcé. Je pense que ça parlera aussi à d'autres lecteurs. Donc, je lis le chat en même temps. Ouais. Donc je pense que c'est recevable, c'est tout à fait recevable. D'accord. Bah en tout cas, moi quand j'ai lu la fin, je me suis tout de suite dit, ah, revoilà le fameux signe qui était attendu au tout début, qu'à un moment au milieu de l'histoire, il croit avoir trouvé le signe, mais non, il en veut un autre. Et du coup, je me dis, ah bah le v'là. Et c'est pour ça que je trouvais Ouais. que c'était bien de finir sur lui. Enfin, que ça pouvait être bien. Après, je suis gentille parce que je sais que Julien, il nous dit que lui, il peut facilement supprimer en général 20% d'un texte. Moi, je t'ai supprimé qu'une phrase. Ouais, mais Julien, même sur mes textes, il supprime que deux mots, Oui. deux syllabes. Non, mais il nous dit ça et tous ceux qu'il a coachés, Non. ils nous disent qu'il a presque rien touché sur mon sec, sur mon texte. Donc du coup, parce que. Purée. Ouais, mais bon, parce qu'il prend. Il prend tous les meilleurs. C'est pour ça, c'est Ben exactement voilà. pour ça. Bon bah ben, du coup, on est pas mal, on a été jusqu'au bout. Ouais, je pense que c'est mieux quand je prépare un peu avant quand même. C'est-à-dire que tu fais Quand je fais un premier passage, parce qu'en fait les fois d'avant, je suis arrivé freestyle. J'avais rien Oui. préparé, tu vois. Donc limite j'avais fait une première lecture, mais j'avais pas fait d'annotation.
Donc, du coup, Ouais. tu vois, c'est comme ça que la semaine dernière, on s'est retrouvé à passer bah, les 2 heures sur le sur la première phrase. Ouais, ça arrive, ça arrive. Non, mais là c'est cool, t'as tout à fait géré ce qu'il fallait. On Bon, était bah, au bout ça du va, texte. si ça te J'ai convient. juste ce petit passage à réécrire là quand elle parle de son âge. Ouais. Mais je vais même pas l'expliciter en fait. J'ai pas besoin de préciser qu'elle avait 10 ans quand elle a été secourue. Oui. Je sais pas si tu peux remonter pour montrer Où tu es, toi? à ceux qui sont dans le chat. Ouais, Parce... le passage de Ah. Icare avait alors le même âge. Là. Ouais, donc du coup là. J'ai même pas besoin d'apporter plus de précision parce que ça nous intéresse pas pour l'intrigue de savoir qu'elle avait 10 ans Ouais. à l'époque. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir qu'elle était jeune et du coup, Oui. elle s'en souvient pas. Du coup, tu peux mettre un truc du genre, elle n'était alors qu'une enfant. Un truc un peu plus vague, quoi, mais qui la situe quand même un peu. Le chimiste dit, c'est une bonne histoire, une suite ou l'aventure d'une autre équipe. Tu vois, on est déjà deux à demander une suite. Ouais, je vois ça. Je Bah verrai ça avec mes éditeurs. ben ouais, tu leur dis que t'as déjà au moins deux lecteurs. Regarde tes modifications se faire en temps réel. L'âge frêle et agité, c'est comme ça que tu définis l'enfance. C'est joli. Ouais, l'enfance, l'adolescence. Je pense que c'est cool. Je pense que comme ça, c'est cool. Ouais, c'est joli. L'âge frêle et agité. Kitty's Cat met un 3. C'est pour un cœur, peut-être? Non, non, un 3, vous êtes 3 à demander la Ah, suite. on est 3, oui, oh là là, je suis à la ramasse. 3. Que de succès. Mais t'as vu ça? C'est la gloire. Et ben voilà, on est arrivé. Ah non, j'ai loupé encore un truc. Ah, il reste un commentaire? Là, il y a un truc, mais ouais, Ah bah non, en voilà, fait, c'est c'est sur quelque chose qu'on l'âge. avait Ouais. expliqué. Ouais, donc c'est bon, c'est tout beau, tout propre. Bon, bah Nickel, je vais voilà, pouvoir c'est cool. envoyer ça à l'éditeur qui me l'a demandé, avoir son retour, et puis voilà, je tiendrai au courant tout le monde de l'avenir de ce texte. Ah Normalement, bah il doit oui. être publié dans une anthologie. Ouais. Donc je vous dirai s'il a été accepté tel quel ou pas. D'accord, bah, j'espère bien que tu vas nous tenir au courant. Bah, en tout cas, je te Ouais, remercie de ta ouais. confiance. Il n'y a pas de souci. L'alchimiste aussi, il n'y a pas de souci. Tu peux me voler le truc, le placer dans un de tes textes. Il n'y a Tu aucun problème. lui as déjà fait quand même la première phrase de son texte, il abuse. Hein. Tu sais pas, il faut pas prendre cette habitude. Faut pas que ça Non mais c'est devienne comme une ça, c'est comme habitude. ça qu'on avance. Hein. Moi aussi j'ai volé des tournures de phrases à des auteurs, à certains de mes auteurs préférés. Ouais, alors après on se les approprie un peu. C'est ça, c'est exactement ça. Bah je l'ai encore fait dans ce texte hein, Oui. quand je dis qu'il module tour à tour, c'est directement Gérard de Nerval quoi. Ouais. Bah Le sens oui. est différent, mais parce que
Là, le tour à tour, ça, chez moi, ça fait référence à chacun des personnages. Ouais. Alors que chez Gérard de Nerval, c'est comment dire, le vers exact. Le vers exact, c'est modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Ah oui. Donc il module tour à tour deux éléments Les soupirs et abstraits. les... Ouais. D'accord. Ouais, mais quand on écrit, on raconte une histoire, mais si on travaille aussi la forme, c'est pour y mettre des choses aussi un peu de nous et de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Ouais, ça marche bien, et ça marche bien. Ben, c'est ça qui Et ben voilà, donne. deux heures quand même de stream, hein, Ouais, pour... hein. Ouais, mais on est arrivé au bout des 9 pages. Parce que la dernière fois, c'était 2 heures pour une ligne. Mais du coup, c'était cool parce que comme tu nous as rejoint et tout, on a appris plein de trucs. Moi, j'ai noté, hein. J'ai noté pour la première phrase. Tu nous avais donné deux options, j'ai noté. J'ai pris des notes. Donc Ouais, c'est très bien. Et c'était là, un... du coup, comment tu trouves cette incipit? Est-ce qu'il est assez percutant? Bah oui. Il est percutant et mystérieux à la fois. Donc non, Ouais, non. il nous envoie directement dans l'enjeu du texte, hein. On attend un Ouais. signe. Mmh. C'est pas tout de fuir, mais on attend un signe. C'est tout. C'est Bah oui, tout qui donne la l'enjeu de direction. notre personnage. Mmh. Et puis du coup, c'est pour ça aussi que à la fin, on termine, je me répète, mais comme c'est dès le début l'enjeu, le signe, et ben c'est bien qu'il se soit qu'on ferme sur lui en fait. Donc non, moi j'ai trouvé très bien. Bah tu vois, j'ai pas trouvé grand-chose à redire, hein. Deux trois coquillettes, deux trois. Chipotage par-ci par-là, mais enfin, on voit que c'est maîtrisé, hein. Donc, non, bah, c'était cool. Yes, bah merci à toi, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie pour ta confiance et pour ce temps que tu nous accordes ce soir. Et puis, pour les personnes, le raid que tu as ramené ici, c'était cool. Donc voilà, j'espère que c'était cool aussi pour vous. Et puis voilà. Wanayem disait qu'il avait tout suivi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bah ouais, c'est toujours mieux quand il y a un petit peu de monde qui regarde quand même. Donc... Ouais, mais c'est d'autant plus cool parce que je crois que Wanayem, tu n'écris pas, je crois. Ouais. Et donc, pour quelqu'un qui n'est que lecteur, Oui. suivre des corrections d'un texte, ben c'est pas forcément évident, quoi. Bah ouais, non, ça peut être vite fastidieux ou un peu chiant. Je me dis que moi, je pensais que ça intéressait justement plutôt les personnes qui écrivent, de voir un petit peu comment ça peut se passer, une correction. Et ouais, du coup, s'il est juste lecteur et que ça l'intéresse, ouais, c'est d'autant plus gratifiant pour nous. Donc merci. Et bah cool Kitty si t'as appris des trucs. Moi aussi j'en apprends toujours quand je coach. C'est pour ça que je disais récemment dans un tweet que j'avais pris un peu de level depuis que je travaillais pour Rocambole. C'est à force de côtoyer plein d'auteurs et d'autrices super compétents, et ben j'affûte les miennes aussi de compétences. Donc voilà, bah Ouais, parfait. du coup pour moi c'est tout bon. OK. Et ben donc je vais te remercier une dernière fois. J'attends donc des nouvelles, on en attend tous, hein, de la publication. Et puis je vais Ouais. couper. Je vais vous dire bonne nuit.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt. Bah, demain, moi, je fais un atelier d'écriture pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, à 21 h. Ok, bah merci Doublure, bonne nuit aussi à Eh toi ben aussi. merci, Mickaël. Bonne nuit, bonne soirée. Enfin, à toi, bonne fin de journée. Oui. Et à la prochaine. Salut tout le monde.